combat international attendu de tous. En direct, partout à travers le Canada, sur Télé La Carte et partout aux États-Unis sur Fight Now. Ce combat dans la catégorie de 205 livres vous est présenté par l'Imperial Hotel et Suite. Vivez la touche impériale. Ladies and gentlemen, it's now time for the Instinct One main event, live on pay-per-view all over Canada and all over the United States on the Fight Now channel. Instinct MMA is proud to offer you one of the most awaited matchups in the light heavyweight division. This main event is proudly brought to you by Imperial Hotels and Suites. Live the Imperial Touch. Ce combat est prévu pour 3 rounds de 5 minutes. This bout is scheduled for 3 rounds of 5 minutes. Les juges pour ce combat, the judges for this fight, Pasquale Procopio, Benoît Roussel et David Terrier. L'arbitre, the referee, Monsieur Philippe Chartier. And now, ladies and gentlemen, are you ready? It's time for the big one. Tout d'abord, dans le fight, bad boy, portant le club pesant, 202.6 livres. Introducing first, fighting out of the bad boy corner, wearing black trunks and weighing in at 202.6 pounds. Il a une fiche professionnelle de 13 victoires, donc 11 par KO. Dévastateur en 19 combats. His professional record shows 13 wins, including 11 by way of shattering knockouts in 19 bouts. De Omaha, Nebraska, from Omaha, from Nebraska, USA. Ladies and gentlemen, accueillez l'un des combattants les plus craints de la planète. This is the assassin, Houston Alexander. Son adversaire dans le coin, Corvette Living. Portant le club d'Angers pesant 202.4 livres. Across the ring, fighting out of the Corvette Living corner, wearing white trunks and weighing in at 202.4 pounds. Il a une fiche professionnelle de 8 victoires, dont 6 par KO et une bonne soumission en 9 combats. His professional record shows 8 wins, including 6 by way of knockout and 1 by submission in 9 bouts. De Saint-Jean-sur-Richelieu, from Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec. Ladies and gentlemen, please welcome the boss, Steve Bossy. Le face-à-face, donc, Houston Alexander contre Steve Bossy. Au niveau de la portée, ça s'équivaut à 2 pouces de différence. Le poids est sensiblement le même, la grandeur est la même, un peu plus d'expérience pour Houston Alexander. Est-ce que ça va paraître dans ce combat? On va le savoir dans les prochaines minutes. On va savoir, mais c'est un combat. Même moi, même si je sais que ça va se faire maintenant, j'aurais vu que ça commence encore plus vite. Alors, l'anticipation est à son comble. On le sent ici dans le Centre Excellence Sport Rousseau. Tout le monde est excité. Ah, c'est oui. Le clou de la soirée. On y va. Mesdames et messieurs. Et voilà, on est prêt des deux côtés. Et c'est parti, Steve Bossy contre Houston Alexander. Combat principal de ce premier événement Instinct MMA, ici au Centre d'excellence Sport Rousseau. Comme d'habitude, Houston Alexander est très, très statique. Et oui. Steve Bossy est très mobile. Le menton bas bouge bien. C'est de voir est-ce que ça va être une belle stratégie. Steve me semble étonnamment calme considérant l'enjeu du combat et que c'est oui. Sans aucun doute le plus grand combat de sa carrière. Il révèle main droite. Voilà. Et ça va coup pour coup. On est allé tout pour coup pour coup pendant à peu près 3 secondes. Et là, on a reculé un peu. On s'est rendu compte que ça frappait très, très fort. Et c'est la question que plusieurs se posent. Hein. On se demande si c'est... Coup de pied. Un bon coup de pied de la part de Steve Bossy. Oui, de Steve Bossy. Mais dû à ça... Houston est très statique. À ce moment-là, peut capitaliser sur des... C'est pas une erreur, mais à ce moment-là, ça devient une erreur. On parlait du jeu au sol développé tantôt de Steve Bossy. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec lui au sol. Oh, et très voilà. Beau relevé. Avec Billy Crochet, a poussé le haut. Oh, le coup de genou a fait mal à Steve Bossy, je pense. Et on se demandait si Steve Bossy pouvait, parce que certains disent qu'il n'a jamais été frappé durement dans sa carrière. Et on se dit, il va l'être contre Houston Alexander. Et on va voir si son menton peut prendre les coups d'un cogneur comme Houston Alexander.
On s'étudie toujours, on garde une certaine distance. On voit ici le coach de boxe thaïlandaise, Steve Bossé, lui donne des indications, probablement des techniques à faire. Il doit avoir des ouvertures envers Houston Alexander. Évidemment, Steve Bossé doit gagner contre ce type d'adversaire s'il veut passer au prochain niveau. Et c'est ce qu'il souhaite. Alors vraiment, là, c'est le plus gros défi de sa jeune carrière. Mais on le voit ici, la manière que Steve bouge, c'est rendu un combattant. Il bouge bien, il a les mains hautes, il a le menton bas. N'est pas une cible facile. Belle droite sur Houston Alexander. Ça semble encore ébranler quelque peu. Et là, et voilà, Steve Bossé qui fait très bien. Garde Houston Alexander contre lui pour éviter la contre-attaque. On voit que Steve Bossé fait très attention une fois qu'il est à l'intérieur, une fois que la distance est fermée, ne veut pas recevoir de coups. C'est très bien qu'Alexander peut en terminer avec un seul coup de poing. On a tenté un jab de la part d'Alexander, ça n'a pas touché la cible. Combat très excitant pour le moment. Beaucoup de pieds ici de Steve Bossé. C'est pas quelque chose qui peut finir un combat, mais à la longue peut épuiser notre adversaire, coupe son muscle et devient très difficile à notre adversaire à bouger. Oh là, on s'est échangé coup de poing. Bossé là qui a repoussé son adversaire et on voit là une certaine enflure sous l'œil droit de Houston Alexander. Très belle stratégie ici de Steve Bossé. On voit, il garde une distance très serrée et du moment qu'il se met à échanger après plusieurs feintes, rentre plusieurs coups, 4-5 coups en ligne et ressort immédiatement. Houston Alexander n'est pas reconnu pour son cardio, messieurs. Steve Bossé, on voit, prend son temps, très composé, oui. Ne panique pas. La stratégie semble très bien fonctionner pour lui jusqu'à maintenant. De toute façon, pour Steve Bossé, là, ça ne donne rien d'essayer d'échanger coup pour coup avec Houston Alexander tout de suite. Va aller lui faire mal et va implanter sa stratégie. Là, une belle droite là, qui semble avoir touché Alexander au-dessus de l'œil gauche. On a vu Steve Bossé toucher à sa main droite, par contre, avec sa main gauche. Est-ce que c'est une main qui lui a fait mal? Parce qu'on sait que le crâne, au niveau frontal de l'être humain, c'est l'os le plus solide. Le genou a porté, messieurs. Alexander là, qui n'a pas été ébranlé, mais le genou a porté. Et pour l'instant, Steve Bossé fait très, très bien et se débrouille très bien contre un adversaire d'envergure comme Houston Alexander. Beaucoup de pieds ici de la part de Steve Bossé. La gauche qui a touché Alexander. Bossé, là, qui vraiment démontre tout son talent ce soir. On peut remarquer que Steve Bossé utilise moins en moins sa main droite, utilise beaucoup son jab. Probablement que sa main droite s'est blessée sur le front de Houston Alexander. Oh, ouais, on a vu sa main droite qui est un peu moins... coup de genou! Steve Bossé, là, ça va bien. Moins d'une minute à faire à ce premier round. Alexander, beaucoup de pieds ici, là, de la part de Bossé. Comme tu le disais tout à l'heure, Thierry, évidemment, un coup de pied, c'est quelque chose, mais c'est à la longue, évidemment, que ça fait du dommage. On peut se souvenir d'un combat là, entre Forrest Griffin et Rampage Jackson, où Griffin avait épuisé Jackson à force de coups de pied comme ça. Et bien, justement, c'est ce que Bossé pourrait peut-être tenter de faire. Projection au sol. Houston Alexander s'est très bien défendu, mais Bossé est revenu avec un coup de genou. On l'a dit tantôt, messieurs, on peut revenir à quelque chose qu'on a dit pour Eric Barak. Steve Bossé touche la cible, très important auprès des juges. Tout à fait. Ah, le premier round là, qui tire à sa fin, messieurs, à l'avantage de Steve Bossé, sans l'ombre d'un doute. Alexander qui a porté quelques coups, mais Bossé là, qui s'adapte bien. Contre-crochet ici, c'est la fin du round. Et là, on tente d'échanger avec lui. Bossé a reçu un bon coup. On a vu que son menton est solide. Oh, le round qui est terminé. Round à l'avantage du boss, Steve Bossé, qui s'est très, très bien débrouillé contre Houston Alexander. On a vu vraiment là, toute l'amélioration. Ah oui, non, vraiment. Vraiment, Steve Bossé là, qui a très, très bien fait. Le crochet qui a atteint la tempe de Houston Alexander. Et regardez, quand on disait tout à l'heure qu'il gardait contre lui, c'est ce que Bossé fait, là. Encore une fois, rentre dans la garde, reste prêt. Oh, le coup de genou. On voit ici, Steve Bossé, une très belle stratégie. Quand il rentre, puis une fois rendu très collé, il utilise ses petites armes. Coup de genou. Ah oui. Mais Alexander qui encaisse très bien, il a reçu quelques coups, évidemment, sur le menton. Et pour l'instant, Alexander a réussi à encaisser. Mais est-ce qu'Alexander a réussi à toucher Steve Bossé depuis le début de ce combat? Pas sûr. Solidement, non. Mais c'est le problème. Il est trop statique et on voit que Steve Bossé, maintenant, s'entraîne dans une bonne école. Ils ont très bien expliqué quel genre d'adversaire il y avait et il se bat en conséquence de la chose. Thierry, tu en parlais tantôt, la main droite... De...